À vivre ça que personne n'a pas jamais pensé, pas jamais imaginé depuis dans la nuit de 6 pour l'ouvrir 7 juillet qui s'est passé là. Ces nouvelles assassinat président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse. Depuis IPM, nous avons confirmé les nouvelles ça. Tout gouvernement a mis en branle tout CSPN pour que vous preniez responsabilité pour réunir tout élément cherché. Tout ça qui va permettre lumière faite sous question. En pile avancée déjà faite, et c'est ça qui explique présence en bon parti dans le commandement, gouvernement, divers ministres, secrétaires d'État à cadre dans le gouvernement qui présent. PM nan, sous instruction, autorité, en pile réunion faite, en pile CSPN faite, en pile instruction bail, et ils ont commencé à porter résultat. Je vais passer PM dans la parole, Dr. Claude Joseph, pour le situer ça qu'a fait là dans le contexte, li, puisque le pays a vivre un moment que personne n'a jamais imaginé. Merci, Franz. Je dis merci avec tout journaliste qui est là. Parce que dans les dernières 24 heures, je suis fatigué en pile. En effet, ce n'est pas moi qui fatigue nous, c'est le pays, c'est la population haïtienne qui est
qui besoin connaît comment président assassiné par un groupe monde qui sorti dans l'autre pays qui lâchement assassiné un président qui est en fonction. La Kaili, dans Pèlerin 5. Je nous tous connais, depuis après l'assassinat, dans le matin, qui était 7 juillet, moi-même, reste CSPN, là, m'a parlé de DG, police nationale. M'a parlé de ministre justice. M'a parlé de ministre intérieur. M'a parlé de ministre défense. M'a parlé de secrétaire d'État pour sécurité publique d'un pays. M'a parlé également de conseil des ministres avec tout ministre indistinctement. Nous avons décrété la permanence. D'abord, nous avons fait un appel au calme qui était pour remercier la population parce que nous avons tendu nous et nous avons agi, je nous ai demandé. Nous avons demandé à la population pour collaborer avec la police. La population fait ça et nous avons fait action. Un gros coup de chapeau pour plusieurs unités dans la police nationale. Yo tout, yo travaille sans relâche pour nous aboutir à ça nous gagne aujourd'hui côté malfrats, ravisseurs, moun qui tue président, nous prend yo, capturer yo. Yo nan men la police aujourd'hui, j'ai nous regarder. Certainement, DCPJ, DGPNH, pral ban nou an pile explication sou ça. Parce que les polices nationales là a bay résultat, li important pour tout moun bay ou crédit a et reconnaître li. Les CSPN nan, li sans relâche. Raison li simple. Jodi a, pour nous honorer mémoire président, pour nous permettre que famille, madame ni qui l'hôpital Kounia, petite plio qui sous choc, nous pas capable engager nous dans bataille, pour nous kembe, prendre ravisseur ça yo. Il y en a d'ailleurs qui tombé dans échange avec la police. Gagner nous prend plus fort. Jean DG, DCPJ, pour le dire nous là. Ça qui est en cavalier, nous continuons à demander collaboration à la population. Pas oublier, peuple haïtien, frère Axem, pas by tête nos justice. C'est pour ça la police est là. Les nous prenons, portez-vous by la police. Je nous fais aujourd'hui. Mais attention. Piga nous quitte, moun fait nous faire erreur. Dans le moment ça, gagné, j'aime te dire matin, en pile fauteur en nos troubles. Gagné, en pile moun cap chercher mettre plus confusion. Qu'en est-ce que nous clair? Président République là, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, de Jeune Justice. C'est pour ça, m'a fait un autre appel à tout frère, ceux qui sont en opposition, alliés, amis, président Jovenel Moïse, à nous mettre tête nous ensemble, non seulement pour nous condamner à ça, pour ne pas jamais répéter encore, mais pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous pas diviser, parce que ça qui passe là aujourd'hui, c'est un bagage qui est grave. Nous-mêmes qui journalistes, nous-mêmes qui attendons. Génération pas nous, pas vivre une situation comme ça. Nous lisons dans le livre. C'est depuis en 1915 un événement comme ça produit. Si mémoire m'a fait défaut. S'il fait défaut, m'a demandé historien yo pardonnez-moi.
Je dis à un groupe moun qui c'est des étrangers entrer dans le pays, ils ont tué le président lâchement. Mais ils ont oublié. Ou capable de tuer le président, ou pas de tuer le rêve, ou pas de tuer l'idéologie, ou pas de tuer pour sale ta bataille. C'est ça que fait moi-même, moi déterminé pour le président Jovenel Moïse, famille, Zamil, Aliel, pour la population haïtienne. Une justice. On va le passer des GPNH là pour le cabano plus explication. Mais ma réitéré appel au calme à la population. Calmez-nous. Pas quitter moun jouer dans tête nous. Gè en pile moun k'ap chercher faire ça dans moment. Mais dans moment ça nous besoin c'est justice. Nous prend pifo là dedans. Reste travail à la police moins croire dans li la fèl. Nous-mêmes j'ai ouais bouche parler pas bay tête nous justice pote yo bay la police et la police a mené yo devant la justice. Merci un peu. Pays en deuil depuis 48 heures temps pour ba réponse à front ça des étrangers qui rentraient sur territoire nous assassiné lâchement notre président de la République. Police nationale là, après instruction de l'autorité, mobilise tout effectif pour le cas stopper criminel ça qui vient s'y mettre deuil sur le territoire. C'est comme ça, toute unité spécialisée, soit BIM, BOI, USGPN, USP, pour me citer ça seulement, nous mobiliser depuis première minute d'attaque là pour nous avoir une réponse. C'est ça que fait nous qu'a dit aujourd'hui, nous qu'a présenté à la population aujourd'hui, assaillant ça. Il y a 26. Nous récupérer 15 là-dedans. Mais 26 Colombiens, nous identifions avec passeport, des ressortissants de la Colombie. Et il y a deux Haïtiens américains là-dedans. Ils sont là, avec matériel que ont été commis assassinat, zamio, valisio, machines qui ont été montées, nous récupérer. DCPJ a continué l'enquête judiciaire là pour nous remettre la justice. 8 autres qui ont cavalé, nous avons cherché, nous avons demandé appui à la population pour tous 26 assassins, la police, retrouver et remettre la justice. Je vous rappelle que la première partie de l'enquête, l'enquête administrative, au niveau de l'inspection générale, elle a commencé déjà. Pour nous voir dans nous, ça qui passe. Et M. Sayo, ils sont au nombre de 17. Les autres 8 sont en cavale. Ils ont demandé aux populations à continuer dans une collaboration. L'un nous retrouve, remettre à la police, pendant que la police, les mêmes tout, la fait recherche par famille présidentielle, prêt à joindre justice. Pays pour joindre justice et nous faire avec propre force panneau, avec détermination policière qui des citoyens à part entière qui voulaient défendre le pays en suivant, en respectant le mandat, serment que vous avez prêté, c'est protéger et servir la population avec moyens que vous avez à disposition. Nous dit 28 assaillants. 26 Colombiens, 2 Haïtiens américains. Parmi les 26 Colombiens, nous récupérons 15.
Il y a 3 qui stoppent. Et il y a 8 qui cherchent activement. Et les 2 Haïtiens américains, ils ont été récupérés. Il y a une enquête qui a continué. L'autre ami, l'autre matériel, nous montrons quelques là-dedans. Donc, c'est chiffre sans gagner et nous communiquons. Mais la partie la plus importante, il y a 8 qui sont toujours en cavale. Nous avons demandé aux populations à accompagner nous pendant que la police a renforcé la technique d'enquête, la technique de recherche pour le cas retrouver. Merci.